Good morning, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, les Nishmat, François Fachibin Khana, Janine Rut, Batfortun, Mouzel, Fridna, Claude, Shlomo, Ben Shalom, Ben Shaya, Ben Dinda, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet, Péa, Perik, Bet, Mishnah, Lef. Ve Eilou, Mavsikin, Le Péa, Anachal, Ve Ashloulit, Ve Derech Ayachid, Ve Derech Arabim, Ou Shvil Arabim, Ou Shvil Ayachid, Akavua, Bimot Achama, Ou Bimot Agishamim, Ve Abur, Ve Anir, Ve Zera Achem. והקוצר לשחת מפסיק דברי רבי מאיר וחמורים אינו מפסיק אלא אם כן חרש. לפסוק מדי, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תכלה פאת שדך לקצור. Lorsque vous récolterez les récoltes de vos terres, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תכלה פאת שדך לקצור. Tu n'achèveras pas le coin de ton champ pour le cueillir à lui aussi. Mais il faudra le laisser pour les pauvres, laisser un coin de son champ. Si vous faites attention, le pasouk est le mot Peat Sadecha, le coin de ton champ. Question fondamentale d'abord. Imaginez que j'ai deux champs distincts, d'une même espèce. Un champ à droite ici et un champ de l'autre côté de la route à gauche. Est-ce que j'ai la possibilité de laisser une PA double dans un champ pour les deux? Ça m'arrange, personnellement, c'est plus facile pour moi, c'est plus économique pour les frais de tracteur et les frais de personnel. Je mets une super grosse PA double de 1/3 du champ d'un côté, et comme ça, moi, j'utilise les deux côtés de la route. Ou non. La Mishnah vient me dire, bien, la Mishnah va me déduire que non, ça ne marche pas. Il faut nécessairement, tout ce qui est défini comme un champ indépendant, doit recevoir une PA indépendante. En l'occurrence, notre Mishnah va s'intéresser à définir qu'est-ce qui va interrompre, scinder, couper les deux champs. Par exemple, Vélo Mavsikin et PA, telles sont les choses qui interrompent la PA, c'est-à-dire qu'ils vont faire un F-sec, qui vont distinguer les deux champs distincts pour imposer chacun indépendamment d'une PA. À Nahal, s'il y a une rivière, un fleuve qui passe au milieu de mon champ, imaginez, j'ai un super champ au milieu du Jourdain avec le jardin qui passe en plein milieu. Merveilleux, ouais. C'est beau, c'est romantique, c'est ce que vous voulez, mais en tout cas, ça impose deux qui ouvrent PA. Chacun indépendamment, parce que le nachal, il interrompt la PA. D'accord? Mieux que ça, même, si ça vous intéresse, même si c'est un fleuve qui, en ce moment, ne donne plus d'eau. Ça s'est asséché beaucoup, ou peu importe, l'eau, ça me donne de l'eau en milieu. Mais concrètement, on a un lit de fleuve, sans eau. Malgré tout, ça interrompt, il y a ici deux champs, c'est distinct, parce qu'on l'a coupé en deux. Donc ça, c'est un nachal. Vea shlulit, shlulit, c'est aussi... C'est, comme il nous dit le pardonnera, c'est une amatamaïm. On irriguait les terres à l'époque en faisant passer une amatamaïm, une ama, ça s'appelait une ama, une coudée d'eau. Parce que ça faisait vraiment une largeur d'une coudée avec une profondeur d'une coudée. On faisait comme ça, on irriguait, on faisait un petit canal où l'eau arrivait dans les champs. Si on a un canal qui va scinder le champ en deux, eh bien chacun des versants du canal sera imposé d'une paire indépendante. De même aussi pour Vederech Ayachid, Vederech Harabim. Un sentier de particulier ou bien un sentier public. Soit, ça dépend de la largeur en fait. Il y en a un qui fait 4 amot, donc l'équivalent de 2 mètres, l'autre qui fait 16 amot. On a une vraie route, comme je vous ai pris l'exemple tout à l'heure, des deux côtés de la route, parce que la route va interrompre BMF et va interrompre même un petit sentier de 4 amot même. Ça va aussi interrompre, ça va aussi scinder les champs en deux unités. Vous allez me dire, si tu m'as dit que 4 amotes suffisent pour interrompre, pour scinder en deux, eh bien pourquoi dans ce cas-là me dire aussi 16 amas? C'est vrai, ce sera en rapport avec la suite de la Mishnah, qu'il y aura des circonstances où il y aura des cas où au contraire ça ne partagera pas. Tous ces cas-là, on va les revoir. Pour le moment, je suis en train de dire que ça coupe les champs en deux. Tu verras dans une prochaine Mishnah que pour des arbres, par exemple, eh bien ça ne coupera plus le champ en deux, donc on a eu le temps de répéter le 4 et le 16. Ok, ensuite on a Oshvil Arabim, Oshvil Ayachid, Akavua, Bimotachama, Bimotachamim. De même aussi pour le petit sentier public ou le petit sentier particulier, mais qui est fixe dans les jours de soleil comme dans les jours de pluie. Soit on s'explique un petit peu mieux. À part le derer c'est une vraie route, on va dire. Maintenant, on va avoir maintenant mieux que ça, c'est pas une vraie route, c'est quelque chose de plus. Un petit chantier qui est encore plus petit. Ouais, l'équivalent de quoi passer entre deux champs. Mais quoi, dans ce cas-là, il va falloir que ce soit un passage, un lieu de passage, qui
qui est fixe pour les jours d'hiver comme pour les jours d'été. En hiver, c'est le moment où, attendez que je ne me trompe pas, et ouais, en général, pour le calendrier agricole, on va planter au début de l'hiver, d'accord, Cheshvan, Tishrei, Cheshvan, et puis pendant les jours de pluie, on va laisser tout pousser, et puis il va venir ensuite le jour de récolte, ça correspond en général, avec autour de Pessah, ou Shavuot, Yemeketzir Ritim, Yemeketzir Seorim, ouais, c'est plus ou moins la période. Et après, depuis Pessah, jusqu'à ensuite la prochaine année, le champ, il n'y a plus rien de planté. Il y a en général, donc maintenant, on a pendant les jours d'hiver, c'est le moment où il y a les pousses qui commencent à pousser, c'est interdit de passer dans les champs. Celui qui va marcher, il risque de tout casser et de faire que ça ne va plus pousser. Par contre, pendant les jours d'été, alors en général, les propriétaires permettent que l'on passe. Viens la Mishnah m'enseigne. Si tu as un chemin, un petit sentier, de moins de 4 amotes, mais qui est fixe pendant les jours d'hiver comme dans les jours d'été, celui aussi il l'interrompt. Par contre, si c'est un petit sentier qui est là que pour les jours d'été, mais dès que ça va arriver l'hiver, on ne permettra pas de marcher ici. Tout est considéré comme un seul champ, et tu pourras laisser une PA pour les deux champs. Ok? C'est clair? Donc je reprends très rapidement. On est en train de parler qu'on a deux champs qui sont interrompus par quelque chose qui vient les couper en deux. Et on s'adresse à savoir ce que c'est considéré comme un champ ou comme deux champs. La Mishnah m'a évoqué plusieurs exemples de fleuves, de rivières, de petits canals, ou bien de chemins, ou bien même de petits sentiers. Un sentier à condition que ce soit un sentier fixe pour les jours d'hiver comme pour les jours d'été, tout ça va interrompre le champ en deux. Ok? De même aussi pour le Véhabour. Alors Véhabour, un sadé qui n'a pas été semé. Imaginez qu'on a laissé en jachère un morceau, une parcelle de mon champ. Moi j'avais un immense champ, mais j'ai trouvé qu'au milieu là, la terre elle commençait à devenir mauvaise. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais semer toute la partie gauche, la partie droite, mais au milieu je vais laisser une partie qui va être un sable des bourgs. Je vais laisser en friche. Pendant un an, comme ça, il va sortir toute sa colère. Et puis après, ce sera une terre qui redeviendra mieux. Donc ça va devenir un sable des bourgs. De même, ben, le sable des bourgs, le champ au milieu qui n'est pas récolté, va couper les deux pôles du champ en deux. Idem aussi pour Véanir. Véanir, cette fois-ci, on parle qu'on a été choresh. Cette fois-ci, on a retourné la terre. Maintenant, on a voulu qu'au milieu, on va laisser la terre retourner pendant un an pour s'aérer un peu plus. Comme ça, lorsque l'eau va arriver, ça va mieux pénétrer plus profondément. Eh bien, tout ça, ce sont des choses qui vont interrompre le champ, on peut en faire deux unités. Vezera acher et aussi une autre espèce. Imaginez, j'avais du blé, et puis au milieu, je me suis dit que j'ai envie de faire pousser un petit peu de graines de lin. Ah, t'as fait quelque chose d'autre au milieu, sache que tu as interrompu tout ton champ, c'est plus un grand champ, c'est devenu deux champs, d'accord? Vezera acher aussi, de même, tu as fait une autre espèce. Autre sujet, va kotser les shachat, mafsik divrei abimir, machamurim enu mafsik elaim ken charash. On explique c'est quoi kotser les shachat d'abord, avant de rentrer dans les détails. Kotser les shachat, vous savez que la récolte de blé, c'est un peu comme les cheveux. Si vous allez la couper pendant que ça commence à pousser, eh bien la récolte elle va pousser de plus belle. Comme les cheveux, si vous voulez avoir les cheveux qui vont pousser plus, eh bien vous coupez toutes les extrémités, ça veut dire que maintenant ça va se renouveler. Idem aussi avec les végétaux, c'est le même principe. Parce que tu les cueilles bien, ils ont envie d'en faire encore plus. Imaginez des rosiers, c'est fréquent. On veut que les rosiers deviennent, ils sortent des feuilles plus belles. On va à un moment couper d'une certaine manière toutes les branches, et ça va mieux pousser. C'est fréquent dans tout. Ça, c'est les shachat. C'est. Maintenant, les shachat. Alors, maintenant, le blé, maintenant, selon ce principe, lorsque tu as des céréales qui vont pousser, il y a un moment où c'est devenu, justement, profitable de cueillir le blé dès qu'il a commencé à peine pousser un petit peu, tu le cueilles, tu le restes tout ce qu'il y a, et puis comme ça tu prends même tout ça, tu as même gagné à manger pour tes animaux, et ton blé il va sortir plus beau. Viens la Mishnah me dit, sache que quand tu es kotser les shachat, tu vas cueillir pour en faire un shachat c'est à dire pour le donner à manger pour les animaux, de manière à ce que tu vas pas laisser pousser complètement, avec prévision donc que l'année prochaine il va se remettre à pousser mieux. Mais pour le moment, tu as fait une bande où tu as coupé à ras le tiers de tout ce qui est en train de pousser qui n'avait pas encore atteint le tiers. Eh bien, la Mishnah me dit, ben, sache que maintenant, cette bande va aussi être mafsik, ça va aussi interrompre. Dire Rabbi Meir, tandis que Rabbi me dit, non, et non mafsik, elle aime qu'elle crache, ça n'interrompt pas que si tu as labouré aussi. Mettons que tu as juste coupé, eh bien, au contraire, c'est pas considéré comme quelque chose qui est mafsik. D'accord? Si tu as juste coupé en laissant les racines à l'intérieur, ça n'interrompt pas, sauf si tu as
complètement labouré, tu as retourné la terre de nouveau. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha comme tout le monde.